Précédemment, depuis lundi, nous avons vu comment la pointe avant de la 350 était fabriquée à Méholt. Elle s'est envolée pour Saint-Nazaire où on lui a rajouté tout le tronçon jusqu'au début des ailes, puis elle est repartie à Toulouse pour l'assemblage final avant livraison au client en grande pompe. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, c'est jour de livraison. C'est la dernière étape de notre grande série. On a suivi la fabrication de cette pointe. Désolé pour la pluie, mais c'est comme ça. C'est tout un groupe de presse. Il y a plus de 150 journalistes qui sont présents pour livrer cet avion à la grande compagnie du Qatar, un des gros clients d'Airbus. Mais avant d'en arriver là, il y a encore quelques étapes. Vous allez voir, et on se retrouve juste après avec un pilote et la signature de l'avion. Avant toute première livraison d'un appareil comme celui qu'on vient de voir, l'avion est essayé en vol dans les pires conditions qu'on puisse imaginer. Soit à des températures extrêmes, comme ici à Iqaluit 8 au Canada avec moins 30 degrés, ou alors des décollages et des atterrissages avec de l'eau, beaucoup d'eau sur la piste, pour voir comment l'avion se comporte en cas de forte pluie. Mais le pire, c'est le test de résistance des ailes, de quoi rassurer tous ceux qui pensent qu'un avion peut se casser en l'air. Tous ces essais permettent à l'avion d'obtenir la précieuse certification de type qui l'autorise à être vendu et exploité. La dernière étape, c'est la peinture. Pour un 350, il en faut à peine 250 litres aux couleurs de la compagnie pour les 2000 m² de l'avion. C'est peu, mais ça fait gagner du poids, car elle est simplement pulvérisée en fines couches au pistolet et on fignole au pinceau, s'il vous plaît. Voilà donc pour la peinture, retour ici sous notre avion, l'Airbus 350 avec la pointe avant fabriquée à Méholt en Picardie. C'est le moment maintenant de rentrer et d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Et on va aller visiter le cockpit en courant. Avec la chance de pouvoir s'asseoir sur le poste du capitaine. Bonjour capitaine, merci de nous recevoir. Eh bien, bienvenue. À bord de cet avion. Eh, on est un peu en Picardie ici. Tout à fait, bienvenue chez vous. Donc. Qu'est-ce qui marque quand on arrive dans ce cockpit par rapport au cockpit traditionnel? Alors, évidemment, c'est la vue par ces grands hublots, par ces grandes vitres. Et puis la vue sur les grands écrans panoramiques. On est en face d'un glass cockpit moderne avec des grands écrans qui prennent toute la largeur. Alors là, on est un peu reculé. Normalement, la position de vol, elle est beaucoup plus en avant. Ouais. Ce qui fait qu'on est déjà directement en contact avec les hublots. Et donc, vous voyez, on est très bien installé. Le cockpit, on ne fait pas que piloter. Vous imaginez bien, dans un vol de 14 heures de vol, comme peut faire cet avion-là, il y a des moments où il faudra manger, par exemple. Et donc, c'est un espace de vie. On va s'installer ici pour travailler comme au bureau. Place maintenant à la livraison. Et qui dit livraison dit tarif. Sachez qu'un Airbus 350 000 coûte environ 300 millions d'euros prix catalogue. Comme Qatar Airways en a commandé 37 en tout, eh bien le prix de l'avion serait divisé par deux. C'est comme ça, un client, on le chouchoute. Le jour de la livraison est évidemment un moment tendu, car les caméras et les photographes veulent tous voir à quoi ressemble ce dernier nez d'Airbus dont on dit qu'il est 4 fois moins bruyant qu'un avion classique. Quant à la cérémonie, même sous la pluie, c'est un vrai spectacle. Hop, on va pas se quitter comme ça. On a commencé l'émission avec le Beluga, vous en souvenez? Bienvenue dans le Beluga XL que vous allez pas tarder à voir voler au-dessus de votre tête. Et quand on dit XL, c'est XL. XL car ce nouveau Beluga a une envergure de 15 mètres de plus que son prédécesseur et pourra transporter 5 tonnes supplémentaires. Sa pointe avant est aussi construite à Méholt où on espère le voir atterrir courant 2019. C'est sûr, l'histoire d'amour entre Airbus et la Picardie n'est pas prête de s'arrêter. De l'amour, de l'amour.